Oui, et oui, bisous, bonjour, chers abonnés. Oui, je suis en short aujourd'hui. Je suis en short. Oh, merde, ça, c'est encore les aléas du direct. Je voulais m'excuser. Voilà. Bon. Je suis donc de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. C'est magnifique. J'espère que vous allez bien. Veuillez m'excuser, j'ai les aléas du direct, j'ai toujours des trucs, je suis toujours en train de déplacer des caméras ici, par là, pour essayer de vous donner la meilleure vue possible. Alors, première chose, oui, je suis en short. Je suis en short, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche et que j'avais envie de faire du stretching. Je suis allé faire un... Ce matin, je vais faire un footing parce que, vous voyez, je suis toujours enceinte et j'essaie de perdre du poids. Donc, bref, ça, c'était un petit truc à part. Deuxième petite chose à part, alors où j'en suis maintenant, puisque j'ai dit que je vous donnerai des nouvelles cette année. Point de vue boulot, ben, au boulot, ça y est, c'est fait, j'en ai un, je commence mardi. Le problème, c'est que j'habite en Charente et que je travaille en Gironde. Donc, je me déplace de la Charente en Gironde où je travaille la semaine et le week-end, je suis chez moi. Donc, je n'aurai que le week-end pour vous faire des vidéos. Bon, alors, si évidemment j'ai quelque chose de nouveau à vous communiquer, je vous ferai une vidéo le dimanche. Si j'ai pas grand-chose à vous communiquer, ben ce sera la semaine suivante. Comme ça, on fera deux en un, comme le shampoing. Enfin, t'as compris, quoi. Bref. Alors, pour me contacter, je vous dis pourquoi vous pouvez me contacter. Donc, sur Discord, je le rappelle, je donne mon Discord. C'est, voilà, attendez, hop, que je remette, que je me... Parce que j'ai le Discord pour, voilà, c'est parti en vacances. Donc, je vous donne le Discord. Mon Discord, c'est maléfique, hashtag 3995, pas arrobase, hashtag 3995. Et là, tu peux me contacter sur Discord. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un nouvel arrivage. J'ai un nouvel arrivage avec des petites bricoles qui pourront plus ou moins t'intéresser. Alors, je vais commencer par le moins intéressant et je vais aller vers le plus intéressant, peut-être pour toi, entre guillemets. Alors, le moins intéressant que je vais mettre, voyons voir, que je vais trouver à te... Donner, ça va être. On va commencer par la catégorie des enfants. Et oui, les petits enfants. Les petits enfants. Oui. Alors, vous allez à l'école, les enfants. Je vous propose des intercalaires. J'en ai quatre. Ce sont des intercalaires qui sont transparents. Voilà, qui sont transparents. Je ne sais pas si tu vois bien parce que c'est transparent. Alors, voilà. Il y en a quatre en tout. Voilà, hop. Un, deux, trois, quatre. Alors, attends, je vais essayer de mettre ça comme ça. J'en ai deux là et deux là, tu vois, voilà, donc voilà. Il y en a quatre en tout, ce sont des intercalaires que je fais à 10 centimes caisse. Mais bon, c'est à titre indicatif, si tu es intéressé par le lot, je te fais le lot, on s'arrange sur Discord, je te fais un prix, il n'y a pas de souci. Ensuite, mes enfants, vous continuez d'aller à l'école. Alors, moi, j'en avais déjà montré dans ma vidéo précédente. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir, tu verras, elle est assez longue. Je montre aussi mon premier arrivage et je pense que tu pourras trouver ton bonheur dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ce sont les intercalaires que j'en avais déjà montré, je crois, que j'ai reçus. Vous savez, les intercalaires où il y a écrit ABC jusqu'à Z. Voilà. Donc, si tu es un petit enfant et que tu vas apprendre l'alphabet, voilà. Alors, j'ai deux lots. J'ai deux lots. Le premier est ici. Le second est ici. Voilà. Donc, j'ai deux lots. Un pourri à la pièce. Donc, si tu veux prendre les deux, on négocie ça sur Discord, tranquille ou tranquille. Ça, voilà, ça c'est les enfants. Dans la catégorie des enfants, enfants ou adultes, donc si tu as des dossiers à mettre, si tu vois téléphone, facture, loyer, EDF, impôts, etc., enfin toute la merde quoi, tu as des dossiers de différentes couleurs. Alors j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du jaune, et j'ai du vert, et j'ai du jaune, et j'ai du bleu. Et c'est déjà pas mal. Donc il y a trois couleurs différentes, il y en a 10 en tout. Et je fais ça à 10 centimes la pièce. Donc si ça peut t'intéresser, tu mets les... Alors peut-être que c'est exactement que je te montre quand même que tu saches. Parce que voilà, c'est un dossier, tu vois, tu mets tes deux. Et si tu as un... chez toi, tu as des un machin, tu vois, tu as les petits crochets sur les côtés et tout. Voilà, comme ça tu peux, chez toi, tu mets ça chez toi et tranquille. Donc 10 centimes pièce. Et puis après, bon, je fais le lot, hein, bien entendu. Si tu es intéressé par le lot, on s'arrange. Ensuite, concernant les petits-enfants, là c'est un petit peu mieux pour vous peut-être. C'est ça. C'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des intercalaires pour aller à l'école. Ils sont tout neufs. Je précise, ils sont neufs. Voilà. Et je fais un pourri le lot, donc ils sont neufs, encore sous blister, etc. Il y a ce modèle-là.
Il y a ce modèle-là. Voilà, j'en ai deux qui sont identiques. Hop. Et ils sont neufs, ils sont sous blister. Donc, un pourri la pièce, des intercalaires, si ça peut t'intéresser. Voilà. Et puis, on va passer, parce que les enfants, c'est terminé, on va peut-être passer aux demoiselles maintenant. Les demoiselles. Alors, les demoiselles, qu'est-ce que je vous propose, mesdemoiselles? Ceci. D'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est pour faire des gâteaux. Vous avez le plateau qui se présente comme ceci, vous avez le moule qui se présente comme ceci, et vous pouvez faire votre gâteau comme ceci. Et derrière, vous avez différentes formes. Donc là, j'ai mis la fleur pour vous faire une présentation, mais vous pouvez également choisir, ça c'est encore une autre fleur, vous pouvez rajouter le cœur, vous pouvez rajouter la petite étoile. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous avez votre gâteau, vous démoulez votre gâteau, hop, et vous avez la petite fleur en haut du gâteau. Et pour enlever donc les moules, c'est très simple. Ici, vous avez une petite languette. Vous retirez les moules. Hop, doucement. Hop, voilà. Et puis, par exemple, vous choisissez le petit cœur. Et vous enclenchez votre petit cœur derrière le moule, comme ceci. Et là, hop, voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et je fais donc le lot complet. Je le fais à... un pourri, mesdemoiselles, un petit pourri. Donc, si ça peut vous intéresser, vous me tenez au courant sur Discord. Ensuite, on va rester chez vous, mesdemoiselles, puisque on parle de moule à gâteau. J'en ai un autre moule à gâteau que je fais à un pourri aussi. C'est le moule. Il est en métal, celui-là. Hein. Donc, voilà, un petit moule à gâteau. Pareil, un pourri, si ça t'intéresse. Discord. Ensuite, nous allons. Mesdemoiselles, tant que j'y suis. Vous pouvez aussi mettre vos petits gâteaux, ce sont des mini gâteaux, vous pouvez mettre au four, voilà. Et ça, pareil. Un pourri, je te le fais. Tu m'appelles sur Discord, tout de suite, à un instant même. Enfin non, reste pour la vidéo, dès qu'elle est finie, tu m'appelles. Sois patiente. Ensuite, je vous ai montré ça. Ah oui, pour les demoiselles aussi, une dernière chose. Hop. Ça, je l'ai fait, on va dire, elles sont 9 à 90%, je vous explique. Cette personne les a achetées, les a utilisées une fois, c'était trop petit pour elle. C'est du 41 en taille. Hop, voilà. C'est mieux, hein. Donc c'est du 41 en taille. Voilà, des petites sandales pour jeunes filles ou jeunes demoiselles ou jeunes femmes. Voilà. Donc ça, trois pourris. Hein. On négocie sur Discord. Voilà, j'ai fait à trois pourris, mais bon, voilà. Si ça c'est trop cher, tu m'appelles sur Discord après la vidéo et puis on négocie ça. Voilà, ensuite on va passer à quoi? On va passer à ci. Pour mesdemoiselles ou messieurs, voilà, si vous souhaitez offrir des fleurs à votre femme ou vous, mademoiselle, qui souhaitez offrir des fleurs à vos parents ou à votre mari ou à qui vous voulez, il vous faudrait peut-être le support qu'il va avec. Et le support, je l'ai, voilà, c'est le vase que je fais à trois pourris. Donc tu m'appelles sur Discord si ça peut t'intéresser, tu mets tes fleurs dedans, hop. Voilà, est un joli vase à trois pourris. Bon, ensuite, messieurs, on va passer à la catégorie des messieurs maintenant, parce que j'ai un poteau. La première chose, c'est les messieurs, en général, ils bricolent. Ils ont la tondeuse à gazon, la tronçonneuse, la scie à métaux, le tournevis, et patati patata. Et tout ça, faut le brancher. Prise de courant. Et des fois, tu cherches des prises de courant parce que tu n'en as pas assez. Moi, j'ai peut-être une solution. Les multiprises. Hein, multiprises, j'en ai. Alors, j'en touche, je dois en avoir 4 ou 5. Il faudrait que je regarde. Là, je vous montre ces deux modèles-là en multiprise. Donc, il y a celle-ci. Hein, je vous montre. Hop. Voilà. Il y en a deux donc sur le côté. Voilà. Et là, pareil, il y en a deux sur le côté. Ensuite, j'ai ce modèle-là, également, donc, hein, voilà. Et pour finir, j'ai ce modèle-là, voilà. Comme ça, messieurs, pour le bricolage, bah, il n'y aura pas de souci. Et c'est 50 centimes la multiprise, 50 centimes à la pièce. Et après le bricolage, messieurs, il faut bien se réconforter. Que diriez-vous de prendre une petite pause apéro? Et pour ça, j'ai la petite dosette. La petite dosette qui ira bien. Enfin, c'est pas vraiment une dosette, je vous explique. En fait, vous vissez ça, vous voyez, vous avez le truc en spirale.
Vous vissez ça sur le goulot de votre bouteille, messieurs, et le liquide en passe ici. Et lorsque vous prenez votre bouteille versée, vous pouvez verser tranquillement sans en mettre à côté. C'est un petit truc, voilà, et ça vaut 10 centimes. Donc, si ça t'intéresse, pour 10 centimes, ça ne mange pas de pain. Hein? Puis ça te permet de rendre madame contente, parce que comme ça, tu n'en mets pas partout sur la table quand tu sers l'apéro aux copains. Et tu gagnes un quart d'heure de déconnade. Voilà. Donc ça, c'est dit, c'est fait. Ensuite, où j'en mettais-je? Pourquoi j'en mettais-je? Ah oui. Messieurs, ici, si vous faites un petit peu de bricolage. Alors, ça peut servir à, même aux enfants, ça peut servir aussi aux dames. C'est une petite boîte. Alors, elle n'est pas en très bon état. Pourquoi? Je vous explique, parce que lorsque je l'ai reçue, bah, la personne me l'a donné. Le couvercle ne tient plus. La poignée est partie en vacances et le couvercle ne tient plus. Par contre, l'intérieur est propre. Vous voyez? L'intérieur est propre. Voilà. Et cette petite boîte, si ça peut vous intéresser, c'est une boîte de rangement, hein, en fait. Hop, je la pose, vous voyez. Hop. Bah, allez, cette boîte de rangement, je la fais à deux pourris, d'accord? On la négocie à deux pourris, et puis après, tu m'appelles sur Discord si ça peut t'intéresser. Voilà. Bon, là, on était jusqu'au truc intermédiaire. Maintenant, il va peut-être y avoir des choses qui vont mieux vous intéresser. J'ai ceci. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Ben, c'est une valise de voyage. Alors, la valise, elle se présente... Voilà, donc la valise, elle se présente comme ceci. Ici, déjà, vous avez le petit capuchon au-dessus. Hop. Ah, avec la petite pochette. Vous avez devant, je vais vous montrer après, je vais lever, je vais rapprocher. Vous avez, voilà, ici, vous voyez, vous avez la petite bouquette, voilà, qui vous permet d'ouvrir, pour mettre vos papiers, pour mettre autre chose. Je referme un instant. Ensuite, hop, je vais vous montrer comment ça se passe, parce que il y en a plusieurs. Voilà, c'est ici. Vous avez une petite fermeture éclair ici, là, hop, ici, là. Vous montez là, celle-ci, vous l'ouvrez. Faites tout le tour. Faire tout le tour de la valise, là, je précise. Voilà. Et ceci, je vais vous montrer de plus près à la caméra pour que vous voyez mieux. En fait, c'est un petit soufflet. C'est un petit soufflet en fait, ça s'ouvre, voilà, c'est un petit soufflet, ça s'ouvre. Et c'est parce que si vous avez vos valises, vous êtes souvent limité à 20 kg ou quelque chose comme ça en moyenne. Et avec ce petit soufflet, ça vous permet de... Ce qui fait que sur la fermeture éclair, ça permet de ne pas tirer sur la fermeture éclair lorsque vous fermez votre valise. Alors ensuite, sachant que vous pouvez choisir votre code après, pour fermer, vous avez l'appareil ici. Là, je vous montre un. Voilà. Vous pouvez choisir votre code pour fermer votre valise. On va passer à l'intérieur maintenant. Je vais vous montrer l'intérieur, comment est-ce qu'il est, le quoi, comment. Voilà. Alors, l'intérieur, il se présente comme ça. Oups. Oui, c'est, je vous expliquerai après. Il y a un petit souci ici, je vous expliquerai après. Voilà, l'intérieur, il est comme ça. Donc, je pense que vous voyez là, voilà, voilà. Et l'autre côté, donc sur le couvercle, hop, vous voyez ici, il y a une fermeture éclair que vous pouvez ouvrir ou fermer. Et là, vous pouvez mettre aussi d'autres vêtements, des papiers, ce que vous voulez. Voilà. Et je crois que derrière, voilà, donc derrière se présente comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez le petit bouton, hop, vous appuyez dessus. Vous tirez, évidemment, pour pouvoir partir et se promener un petit peu, ben voilà. Et cette valise, ben, je vais la vendre. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Voilà, elle a un petit souci. Ben là, quand même, vous avez vu, l'intérieur est quand même en très bon état. C'est juste ici, parce que le support, en fait, est cassé. Donc voilà, ça a été cassé pendant le... Je sais pas, les gens l'ont utilisé. C'était cassé pendant le voyage, certainement. Mais après, vous avez vu l'intérieur. Hein, voilà,
toute façon, si tu me contactes sur mon Discord et que tu sais, cherches à voir des photos ou tu veux que je te la montre plus en détail, tu m'appelles, hein, tu vas sur Discord et puis on fait comme ça. Et je te la montre en photo, en cam, il n'y a pas de souci. Et donc, je vais vous la... Ouais, je vais vous pencher comme ça, vous verrez mieux. Je sais pas. Ouais, hop, je vais faire mieux. Attends, bouge pas. Bouge pas, tu bouges pas, voilà. Donc en fait, lorsque vous fermez votre valise, vous mettez les deux petits crochets là-dedans. Alors vous appuyez sur le bouton là. Vous tirez. Enfin, non, faut tirer sur la petite là. Ensuite, vous installez. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me perdre 20 ans à fermer et à ouvrir la valise. Donc vous tirez, vous mettez vos deux fermetures ici. Vous rappuyez et c'est bon, c'est fermé. Voilà. Bah, c'est pas plus compliqué que ça. Alors cette valise là, voilà, je la fais à 20 pourris. 20 pourris, on négocie ça parce que bon voilà, elle est quand même en très très bon état. Vous avez aussi la poignée là sur le côté, ici, hop. Donc elle est quand même en très très bon état. Il y a juste ça, voilà, le petit bémol, c'est juste en dessous, là, le truc à casser ici, là. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien votre caméra, là, il y a le support, là, il n'y est pas. Donc 20 pourris, voilà. Si ça peut t'intéresser, tu me dis. Et puis, on se négocie ça sur Discord. Ensuite, pour le même prix pour 20 pourris, je reviens. Pour 20 pourris, c'est la même. Elle est en plus petit. Voilà. Elle est en plus petit, celle-ci, vous voyez. Elle est en plus petit. Voilà. Elle a encore même les plastiques là-dessus. Elle est, je dirais, neuve à 60% neuve. 60% elle est neuve. Parce que vous voyez, il y a encore même les plastiques sur le côté et tout. Voilà. Voilà. Celle-ci, pareil. Donc, celle-ci, elle est à 20 pourris aussi. Donc, 20 pourris, on négocie évidemment. Alors, comment elle se présente celle-ci? Elle est en excellent état, vous voyez, hein, il y a les quatre roulettes. Voilà. Il y a même les plastiques et tout. Alors, comment celle-ci se présente? C'est très simple. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer après. Pareil, hein, je tiens à préciser aussi que, comme pour la première, vous avez aussi le système de sécurité ici pour fermer la valise. Hop. Donc je vais l'ouvrir un instant. Je l'ouvre un instant. Tu permets, ouais, t'as 5 minutes, ouais. Bon. Je vais tout vous montrer. Voilà. Alors, il y a d'abord la coque, donc le fond de la valise. Hop. Non, le fond, pas le devant, le fond. Voilà, il y a le fond de la valise. Donc vous avez aussi, tout comme dans la première, hein, j'ai oublié de vous le préciser, mais donc il y a le fond de la valise, hop, vous voyez, qui s'ouvre, donc là vous pouvez voir le fond carrément. Vous avez les petits élastiques qui vous permettent d'accrocher le linge, ou vos vêtements, ce que vous mettez dedans. Et il y a le couvercle, qui est plus impatient de passer à la caméra, n'est-ce pas? Voilà, alors le couvercle qu'il y a ici, donc vous pouvez ouvrir. Et là, pareil, il y a une petite poche devant, hop, voilà, pour pouvoir installer les choses. Et là, il y a le couvercle avec le fond. Voilà. Et cette petite valise, donc, à vendre, je la fais à 20 pourris. 20 pourris, tu m'appelles hein, sur Discord, si ça t'intéresse. Voilà, je la mets à 20 pourris. Voilà, voilà, voilà. Donc après, on négocie ça tranquille, tranquille. Et puis, tu me tiens au jus si ça peut t'intéresser. Et puis j'ai la dernière aussi. Je vais avoir encore la chef qui va arriver. J'en ai juste 2 minutes parce que j'ai juste un petit ticket, c'était pour le transporteur. Hop. Alors celle-ci je la vends un peu plus cher. Elle est rose bonbon. Voilà. Elle est rose bonbon comme la culotte d'Ali Baba. Moi, je ne suis pas allé voir, mais c'est une copine intime qui me l'a dit. Pareil, système de sécurité. Voilà. Et celle-ci, pareil, donc je vais vous montrer.
Alors, elle est en excellent état. Enfin, excellent. Disons, elle est très très bon état. Parce que c'est l'occasion, hein, évidemment, elle a déjà été utilisée. Et en plus, voyez, il y a même la notice qui va avec. Bon, c'est écrit en Xinjiang, hein, donc je sais pas. Si tu sais lire le Xinjiang, c'est aussi écrit, je crois, c'est... Non, c'est aussi en anglais, donc voilà. Donc je te mets le machin avec. Hop, on va le mettre là d'ailleurs. Alors, comment elle se présente celle-ci aussi? Pareil. Donc, le couvercle, avec donc ici le, la housse, machin. Ici, donc, pour fermer et ouvrir. Ici, tu as le fond, c'est où? Je sers ça, voilà. Ici, hop, tu as les deux petits que tu ouvres. Hop. Voilà, et là, tu as le fond, tu vois. Et que tu remets par-dessus, hop, et tu refermes après, tu avec les fermetures et les hop, hop, voilà. Ensuite, l'autre côté, vous voyez, l'autre côté, pareil, les petits élastiques. Voilà, et ici, pareil, il y a un fond, tu ouvres, et tu accèdes à la coque. La coque, je te la montre, hein. Elle est en bon état aussi. Voilà, et celle-ci, mesdames et messieurs, 30 pourris. Voilà, 30 pourris, je l'ai fait à 30. Et puis, bien sûr, hein, si ça t'intéresse, pareil, sur Discord, tu m'appelles, etc. 30 pourris, voilà. Bon, mais je crois que pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout montré, je pense. L'arrivage. Ah, moi, ce que. Attendez, je crois que j'ai oublié quelque chose. J'avais oublié de vous montrer d'ailleurs dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je rappelle que si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je t'invite à aller la regarder dès maintenant, enfin pas maintenant, mais dès que la vidéo, celle-ci est terminée pour aller voir l'autre, tu verras, c'est une longue vidéo où j'ai reçu donc ma première brocante et peut-être que, bah, avec un peu de chance, tu trouveras ton bonheur. Mais je crois que je l'ai oublié d'ailleurs. Je reviens, bouge pas, bouge pas. Je suis là, je reviens. Je sais plus, je ne peux pas oublier. Je sais pas. Non. Ouais, je crois que c'est là-dedans, en fait. Oui, c'est là-dedans. Voilà, quel bonheur. Voilà. Pareil. Ouais, je ne vais pas tout vous montrer, hein. Désolé, hein, je suis de retour, mais j'allais pas tout vous montrer parce que j'en ai du bordel. C'est ceci que j'avais oublié de vous montrer. Ah, attends, c'est vrai, je suis en noir, oh, bordel. Voilà, donc, c'est ceci, c'est qu'est-ce que c'est? Vous avez donc plusieurs prises USB dessus. Je sais pas, je vais te montrer là. Tu vois, tu as plusieurs prises USB dessus. Et quand tu mets ça sur ton ordinateur, tu branches, tu rajoutes ça. Et là-dessus, si tu as une souris avec fil, tu mets ta souris. Là, tu peux mettre ta clé USB si tu as ta musique. Et là, à côté, si tu as ton portable qui est équipé avec une clé USB pour relier sur ton ordinateur, tu as des fichiers à transférer. Voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, il y a 4 entrées en tout. Voilà, là-dessus. Voilà, et tu mets ça. Voilà, et ça c'est pareil, ça fait un pourri, hein. Un pourri je négocie, hein. Comme ça t'es tranquille, et puis tu sais, voilà, tu me contactes sur Discord, voilà. Bon, et ben écoutez, je crois que cette vidéo nouvel arrivage va s'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, évidemment, bah tu t'abonnes, t'attends quoi? T'attends la fin du prochain millénaire ou quoi? C'est le 31 février 2076 qu'il faut s'abonner, pas avant. Mais non, je déconne, tu t'abonnes maintenant, là, tout de suite. J'attends. Voilà, ça y est, c'est bon, t'es abonné, c'est cool, merci à toi. Donc, tu appuies également sur la clochette de notification, qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps normal, donc dès que je les sors, en fait. Et puis, d'ici là, chers abonnés, j'espère, donc, comme je disais, que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein de Z et de X. Soyez heureux. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dès que j'ai un nouvel arrivage, brocante, bah, je vous tiens au courant. Allez, c'était Maléfique. Plein de bonnes choses que je vous souhaite. Et puis, donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !